אני היסטוריונית של בריטניה דווקא. אני במיעוט מוחלט כאן, אבל לבריטניה כמובן היה קשר לזולה. עכשיו אתם שומעים אותי? אני מדברת לגמרי למיקרופון. לזולה כמובן היה קשר לבריטניה, שבה גם המשפט והפרשה כולה הדהדו בהד גדול. אני שמחה לשבת בראש המושב הזה, המושב השלישי של הכנס, שנושא שם מאוד מעניין, צמיחתה של תרבות פוליטית. והכותרת כשלעצמה מגלמת את המערך הסבוך של קשרים בין פוליטיקה לבין תרבות בפרשה. מה שעוד מרתק בכותרת ובהרצאות שלפנינו הוא העובדה ששני הדוברים במושב הזה בוחנים טקסטים וסוגות שבהם הגבולות בין ציבורי לפרטי, בין משהו פתוח וסגור, הפומבי והביתי והמשפחתי, בין פוליטיקה שמשוחקת על פלטפורמות פומביות מאוד כמו העיתונות, או להבדיל התיאטרון, לפוליטיקה שמפעפעת לתוך הבית, בדרך כלל הבית הבורגני, פוליטיקה של בית, הגבולות הללו מטשטשים לעתים ואולי אפילו נחצים. נדמה לי גם כי בשתי ההרצאות הללו, במידה מסוימת גם נשים מוכנסות לפרשה ומוכנסים יחסים מגדריים לדיון בה, כאלגוריה לרפובליקה ולשבר הגדול שלה, כחלק ממערכות יחסים ביתיות, כצופות, כקוראות וכמדיינות. הדובר הראשון במושב שלנו הוא פרופסור אלן פאז'ס מהסורבון פריס 3. הוא פרופסור לספרות צרפתית, הוא העורך של קיה נטורליסט, ויש לו עניין מתמשך בנטורליזם, בזולה ובפרשה כולה, שהניב יבול גדול מאוד של פרסומים ובהם אמיל זולה, un intellectuel dans l'affaire Dreyfus, Émile Zola déjà accusé au Panthéon, une journée dans l'affaire Dreyfus, et le livre האחרון שלו הוא Zola et le groupe de Médan, histoire d'un cercle littéraire שכמדומני ראה אור לפני פחות מחודשיים. אני מבקשת מכם להאזין להרצאתו שבה הוא יציג בפנינו מבט על פרשת דרייפוס, המכתבים הגנוזים של זולה לאלכסנדרין. Oui. Merci de votre accueil. Je remercie ceux qui m'ont invité ici, notamment Yaël Perl-Ruiz et Michel Kahan. Et je voudrais vous parler en effet de lettres inédites de Zola à sa femme Alexandrine, de lettres qui jettent un nouveau regard sur l'affaire Dreyfus. Ces lettres en effet ne sont pas encore publiées. Elles vont être publiées à la fin de cette année, je l'espère, chez Gallimard, dans une édition que j'ai réalisée avec Brigitte Émile Zola, la cousine de Martine Leblond Zola, et une équipe de chercheurs. C'est un énorme document qui va être livré à la connaissance du public, des lettres qui feront à peu près 1000 pages une fois qu'elles seront imprimées, des lettres importantes non seulement par la quantité des documents qui seront ainsi livrés, mais par leur contenu intellectuel. Et la chance que nous avons pour l'affaire Dreyfus, c'est que ces lettres sont pratiquement toutes situées dans la dernière partie de l'existence de Zola. Elles se groupent en gros entre l'année 1895 et l'année 1901. 1895, c'est le moment
où Zola, qui a terminé Les Rougon-Macquart, est en train de travailler à sa trilogie des trois villes, les romans qui suivent, et 1901, c'est juste un peu avant sa disparition. Alors, qu'est-ce qui est intéressant dans cette correspondance? C'est qu'elle marque cette séparation. Toute correspondance est fondée sur une séparation, mais qu'elle marque la séparation entre Alexandrine et Zola, liée à deux événements. D'une part, à l'exil. L'exil en Angleterre que Zola doit subir à la suite de J'accuse, une année d'exil entre juillet 1898 et juin 1899. Et puis l'autre séparation qui est constitutive de cette correspondance, ce sont des voyages qu'Alexandrine accomplit seule en Italie à partir de l'année 1895. On a cinq voyages importants en 96, en 97, en 99 et en 1901. Donc voilà le contenu dramatique ou le schéma dramatique de cette correspondance, deux séparations, une séparation liée à l'affaire Dreyfus, Zola est en exil en Angleterre, et une autre séparation liée à l'histoire du couple, des voyages que Alexandrine accomplit seule en Italie. Vous devinez que ces deux événements constitutifs de cette correspondance lui donnent un contenu dramatique particulier, lui donnent en même temps une grande densité chronologique, car Zola écrit tous les jours à Alexandrine quand elle se trouve en voyage en Italie, tous les jours, et quand il se trouve, lui, en exil en Angleterre, il lui écrit deux ou trois fois par semaine. Donc, il y a évidemment une matière intellectuelle, émotionnelle, extrêmement riche. L'affaire Dreyfus, elle est un peu le pivot de ces lettres. Le pivot parce qu'il y a la longue période de l'exil que je viens d'évoquer, une année d'absence, et puis il y a avant l'exil et après l'exil, au fond trois moments. Les premières lettres qui nous intéresseront, celles qui se situent avant l'exil, ce sont des lettres écrites au moment de novembre, décembre 1897, quand Zola découvre l'affaire Dreyfus et il se trouve dans la situation de l'homme qui va s'engager. Ce sont des lettres qui datent juste un peu, enfin de quelques semaines précédant l'écriture de J'accuse. Deuxième série de lettres, les lettres de l'exil, je viens de l'évoquer. Et enfin, troisième série de lettres, les lettres du retour d'exil de l'automne 1899, quand Zola retrouve la France et retrouve ses amis. Alors, quelle analyse en faire? Bien sûr, ce qui va m'intéresser, ce sera de vous parler de ce moment extraordinaire de l'engagement de Zola en novembre 1897, quand on lui parle pour la première fois, non pas du capitaine Dreyfus, il en avait bien sûr entendu parler, mais de cette histoire dans sa complexité réelle. Dans un deuxième temps, j'essaierai d'évoquer, je pense que j'en aurai le temps, ce grand moment d'attente qui est celui de l'exil, pendant que Zola espère la révision du procès de Dreyfus. Et enfin, je dirai quelques mots, mais je serai sans doute beaucoup plus rapide, sur le retour d'exil. En faisant cette analyse, j'essaierai de vous faire sentir ce qui fait le contenu dramatique, émotionnel de cette correspondance, et au fond une scène qui revient régulièrement, qui est peut-être la scène archétypale de cette correspondance, d'un Zola, écrivain, chez lui, en train de travailler, et puis on vient le voir. On essaie de le convaincre, on lui parle de cette affaire. Zola, d'une certaine façon, ne se déplace pas, il ne va pas vers cette affaire, c'est l'affaire qui entre chez lui, qui entre dans son cabinet de travail, qui dérange, qui bouscule sa vie d'écrivain ordonné, et c'est une affaire dont il va se saisir et qui va évidemment bouleverser le reste de son existence. Zola, vous le savez, est l'inventeur de cette très très belle formule qui a servi de drapeau, d'étendard, on peut le dire, au combat de Dreyfusard, la vérité est en marche, rien ne l'arrêtera. Eh bien, je voudrais vous faire entendre cette marche vers la vérité dont cette correspondance témoigne. Évidemment, ce sont des étapes progressives. Alors, commençons par le premier moment, ce moment de l'engagement. Il y aurait évidemment beaucoup de choses à vous dire sur ces lettres,
plus de 50 qui parlent pendant ces journées de novembre et de décembre 97 de la France qui peu à peu est traversée par cette affaire Dreyfus qui prend une importance considérable. Je grouperai mes remarques juste autour de trois idées. D'abord, j'évoquerai la succession des rencontres décisives qui vont déterminer l'engagement de Zola. Puis, je vous dirai aussi de quelle façon, psychologiquement, son esprit se transforme et de quelle façon il va aller vers cette affaire. D'une certaine façon, de quelle façon il va être entraîné vers cette affaire à laquelle il résiste d'abord. Et enfin, je dirais quelques mots de ce que ces lettres nous montrent de la genèse de l'écriture des articles qu'il va produire et qui seront les premiers articles de sa campagne Dreyfusard. Alors, les rencontres, d'abord, au fond, les faits sont connus, les historiens les savent, mais je les rappelle, le premier qui vient le voir, qui frappe à sa porte, c'est Bernard Lazare, le 6 novembre. Il lui parle du capitaine Dreyfus, Zola l'écoute, mais ne comprend pas trop. Puis, deuxième visite, plus importante, le 8 novembre, c'est un avocat, Louis Leblois, qui frappe à sa porte. Il est envoyé par le vice-président du Sénat, Scherer Kestner. Il détient des documents absolument essentiels, car Scherer, à ce moment-là, possède toute une partie du dossier que Picard lui a transmis. Donc il a en main les pièces de cette erreur épouvantable, ou de ce crime d'État qui a été commis, en tout cas les preuves de l'innocence de Dreyfus, et des preuves qui viennent de la plus haute autorité, si je puis dire, c'est-à-dire du chef du service du contre-espionnage. Voici comment Zola évoque à Alexandrine cette première rencontre décisive. Aujourd'hui, le bruit s'est répandu que Dreyfus était innocent. La presse entière mène grand tapage depuis que M. Scherer-Kestner a pris l'affaire en main en promettant de faire la vérité. De la part de ce dernier, un M. Leblois, avocat, est venu me voir comme il est allé voir Copé pour mettre au courant de toute l'histoire. Les pièces qui m'ont été soumises, m'ont absolument convaincu. Dreyfus est innocent. Il y a là une épouvantable erreur judiciaire dont la responsabilité va retomber sur tous les gros bonnets du ministère de la guerre. Le scandale va être affreux, une sorte de Panama militaire. Je ne puis te raconter toutes ces choses en détail, ce serait trop long. Et puis je ne veux pas les confier à une lettre qui pourrait s'égarer et qu'on pourrait lire. Voilà. Le premier texte décisif. Leblois et Scherer ont invité Zola à un déjeuner qui lui aussi sera tout à fait important le samedi 13 novembre, où ils discutent, où on lui montre tout le dossier de cette affaire Dreyfus. Un autre romancier a été invité à ce déjeuner, car Scherer veut essayer de convaincre des hommes de lettres de s'engager. Il s'appelle Marcel Prévost. Zola quitte Scherer sans rien lui promettre. Il est ébranlé. Il admire le courage avec lequel cet homme, cet Alsacien, ce vice-président du Sénat, se lance dans la bataille de l'affaire, mais il résiste encore. Pourtant, on voit bien que s'il va se lancer bientôt dans cette affaire, c'est parce qu'il a ses documents et que ce dossier préparatoire, en quelque sorte, j'emploie le terme qui est celui qui désigne les dossiers préparatoires qu'il constitue quand il écrit des romans, ses enquêtes qui lui permettent de nourrir ses romans, eh bien, il a, comme pour les romans qu'il a écrits jusqu'ici, en main le dossier préparatoire de l'affaire Dreyfus. Alors, ce que traduit cette correspondance, cet entraînement, cette hésitation qui peu à peu se transforme en décision, je voudrais vous faire sentir avec quelques citations, simplement en vous donnant, j'espère aussi, envie de lire à la fin de cette année le livre quand il paraîtra chez Gallimard. Je voudrais vous faire sentir le journal de bord de cette hésitation. Comment, quand Zola a pris sa décision, il l'écrit sur son texte qu'il adresse à Alexandrine, et c'est comme un acte de langage. Une fois que l'écriture a notifié la décision, eh bien la décision est prise et jamais il ne reviendra en arrière. Il y a donc par l'écriture et par la pensée telle qu'elle s'exprime dans la correspondance un entraînement absolument extraordinaire. Voici quelques citations pour le montrer. Le 6 novembre, Bernard Lazare est venu me parler du capitaine Dreyfus dont l'affaire fait de nouveau un bruit énorme. Je préfère m'en tenir à l'écart, la plaie est trop envenimée. 8 novembre, après la visite de Leblois, sois sans crainte, tu sais combien je suis prudent, je ne me mettrai en avant que si je dois le faire, après avoir songé que je ne suis pas seul dans la vie et que j'ai charge d'âme. Là, Zola fait allusion à sa deuxième famille, à Jeanne et à ses deux enfants.
Et puis le 15 novembre, il ajoute à Alexandrine, « Sois sans crainte, j'ai décidé de ne m'en mêler sous aucune forme, quoique mon cœur bondisse d'indignation. » Et puis, il ne l'a pas annoncé, Alexandrine. Tout d'un coup, un coup de théâtre est énoncé dans la correspondance. Dans la lettre du 24 novembre, il lui dit que, ça y est, il s'est lancé. Voici la citation. « Et tu ne sais pas ce que j'ai fait ? Un article écrit en un coup de foudre sur Scherer-Kestner et l'affaire Dreyfus. J'étais hanté. Je n'en dormais plus. Il a fallu que je me soulage. Je trouvais lâche de me taire. Tant pis pour les conséquences. Je suis assez fort. Je brave tout. » Je répète cette phrase magnifique. « Je trouvais lâche de me taire. Tant pis pour les conséquences. Je suis assez fort. Je brave tout. » Et sans doute, Alexandrine, si elle avait été là, peut-être aurait-elle réagi négativement, mais en tout cas, il essaie, dans les lettres qui suivent, de la convaincre que cette décision qu'il a prise est une bonne décision. Il lui dit ceci, « Je ne lâcherai pas, car je suis décidé à être brave. Ne t'inquiète pas, tu sais ma solidité dans l'orage. Il faut que j'aie raison, et j'ai la certitude intérieure qu'une fois encore, je vais en mon étoile. Je vais en mon étoile. » Je sortirai grandi de tout cela, c'est mon absolue certitude, ma foi ne m'a jamais trompé. Magnifique métaphore, hein, cette métaphore de Zola qui va à son étoile, qui envisage ce destin qui sera le sien, qui transformera effectivement son existence, qui, bien des années plus tard, conduira sa dépouille mortelle au Panthéon. Alors je voudrais dire quelques mots sur ce qu'on trouve dans cette correspondance de l'origine des textes qu'il va commencer à écrire à ce moment-là. Je le dis en un mot, la campagne de Zola, elle est très importante avant J'accuse. Il y a d'abord 3 articles dans le Figaro, puis 2 lettres ouvertes, une lettre à la France, une lettre à la jeunesse. Le J'accuse n'est que le 6e texte, qui est une sorte de synthèse de cette campagne qui précède. Et on trouve dans cette correspondance des journées de novembre 1897 déjà la formulation des textes qui vont surgir dans le Figaro. Par exemple, le premier article de Zola dans le Figaro, datant du 25 novembre 1897, commence par ces mots, qui sont les mots de l'engagement du romancier. Voici comment il la décrit, voici comment il envisage cette affaire Dreyfus. Il dit ceci, « Quel drame poignant !» Quel personnage superbe! Devant ces documents d'une beauté si tragique que la vie nous apporte, mon cœur de romancier bondit d'une admiration passionnée. Je ne connais rien d'une psychologie plus haute. Telles sont les phrases déclaratives qui ouvrent le premier article de la campagne du Figaro. Et dans une lettre à Alexandrine, quelques jours avant, le 8 novembre, il a dit ceci, « J'avoue qu'un tel drame me passionne, car je ne connais rien de plus beau. » Il lui dit aussi, ceci, le 16 novembre, cela me passionne, car il y aura peut-être plus tard une œuvre admirable à faire avec cela. Et je voudrais aussi évoquer la genèse de la très belle formule sur la vérité en marche. Il l'écrit à Alexandrine le 21 novembre 1997. L'affaire se déroule avec sa logique. Il est très possible qu'on l'étouffe cette fois encore, qu'on lâche Esterhazy pour éviter la débâcle du ministère, mais sois sûr que la vérité ne cessera plus de marcher et qu'elle éclatera forcément un jour. La vérité est en marche. C'est Alexandrine qui, la première, est la destinatrice de cette confidence essentielle. Alors, voilà, avant d'évoquer la suite, juste un mot pour vous montrer qu'à ce moment-là, nous sommes en novembre 1997, grâce à l'activité de Scherer-Kestner, 3 écrivains ont entre les mains les pièces du dossier de l'affaire Dreyfus. Le premier, c'est Marcel Prévost, un romancier. Le deuxième, je l'évoquais rapidement dans la citation que je vous ai lue, c'est François Copé, un poète. Le troisième, c'est Zola. Que vont faire ces 3 écrivains? Le premier, Marcel Prévost, ne fera rien. Le deuxième, François Copé, qui pourtant a entre les mains les éléments du dossier, basculera, après avoir hésité, il faut le dire, mais basculera dans le camp anti-Dreyfusard. Et le troisième, Zola, sera l'auteur de J'accuse. Voilà ce moment de l'engagement que je voulais évoquer aussi précisément que possible. J'irai plus vite sur les 2 autres grands moments de Dreyfusard de cette correspondance. Le moment de l'exil, lettres qu'il faudra que vous lisiez car elles sont extraordinaires. Une attente d'une année, pendant longtemps Zola pense qu'il ne reviendra jamais en France. Il imagine d'ailleurs quel sera le pays de son exil définitif. Il a fui en Angleterre, il est en Angleterre pendant cette année d'exil, mais il pense que cette Angleterre, qui lui déplaît un peu à cause du climat, il va la quitter pour un pays idéal auquel il rêve, qui serait l'Italie. Donc il y a dans ces lettres toute une construction sur
un départ de la France qui sera définitif. Et puis, vous le savez, heureusement pour lui, les choses se transforment. La mort du président Félix Faure au début de l'année 1899, qui est un de ses coups de théâtre, il y en a tellement dans l'affaire Dreyfus, transforme la situation. Loubet, qui succède à Félix Faure, décide de mettre fin autant que possible à la crise qui traverse la France. Et enfin, bon, la Cour de cassation, qui s'est saisie du dossier, peut avancer et Zola pourra rentrer en France au début du mois de juin 1899, juste après que la Cour de cassation a cassé l'arrêt du procès de décembre 1894. Ce sera la possibilité du procès de Rennes dans l'été qui va suivre. Ce que je voudrais simplement vous faire entendre, avec quelques citations encore, c'est cette attente qui est celle de Zola pendant son exil, ses amis qu'il rencontre, qui viennent le voir peu à peu. Il est d'abord dans une solitude absolue, et puis peu à peu, il renoue avec ses amis, Mirbeau, Fasquelle, Clémenceau, Laborie, son avocat, vient le voir. Il y a une visite dont je peux rendre compte plus longuement que des autres, parce que nous la connaissons assez bien. C'est la visite que Jaurès rend à Zola le 10 mars 1899. Une magnifique visite dont nous avons une trace assez forte, d'une part grâce à la correspondance de Zola, et puis surtout grâce au témoignage de Jaurès. Jaurès profite d'un congrès socialiste auquel il se rend pour aller rendre visite à Zola dans son petit hôtel de la banlieue de Londres. Il le trouve en train de travailler et tous les deux discutent sur le socialisme, sur l'affaire Dreyfus, bien sûr. Voici ce que dit Zola à Alexandrine. « J'ai reçu vendredi la visite de Jaurès. Il avait déjeuné. Il n'a voulu prendre qu'une tasse de café. Il ne m'a rien dit que je ne savais déjà, mais lui est convaincu que l'affaire ne sera pas finie avant 4 ou 5 mois. Il est absolument d'avis que je dois seulement rentrer quand tout sera fini. » Nous sommes encore en mars. Hein, Zola ne peut pas rentrer. Le résumé est décevant de cette visite, trop rapide, sans doute trop elliptique, comme quelquefois ça se passe dans une correspondance, mais on a le témoignage de Jaurès, qui en parlera longuement un peu plus tard, en 1901, et voici ce que dit Jaurès. « Il me parla avec une sérénité admirable du réconfort et de la joie qu'il trouvait dans le travail. En lisant son œuvre récente, j'ai senti dans l'hymne continuel au travail sacré un accent profond de reconnaissance personnelle. Il est la grande force qui féconde la nature et la vie. Il est aussi la lumière intérieure, la puissance de sérénité qui, contre les sottises, les vilenies, les lâchetés, les trahisons, préserve le cœur clairvoyant et fort des mortelles amertumes. » Il faut lire dans ce résumé comme une sorte de résumé de leur conversation. Et voici ce que Jaurès ajoute encore, une phrase plus importante, me semble-t-il. « Ah, il fait parler Zola, ah, me disait-il avec une grande simplicité d'accent, que cette crise m'a fait du bien. Comme elle m'a rendu insensible à bien des glorioles et des vanités auxquelles, comme tant d'autres, je m'étais trop attaché. Comme elle m'a révélé la vie, comme elle m'a ouvert bien des problèmes à des profondeurs que je ne soupçonnais pas. Je veux donner tout mon effort à la libération des hommes. Je veux que de l'épreuve que nous subissons tous, notre groupe d'humanité sorte plus vaillant et plus fraternel. Il me semble déjà que des espérances plus hautes s'affirment. Je sens se lever des étoiles nouvelles. Mais qui nous dira quelles sont les routes les plus sûres, les plus unies, les plus douées, par où l'humanité ira vers la justice et vers la joie? L'heure est venue où il ne suffit pas de rêver, de pressentir, il faut savoir, il faut préciser les moyens d'organisation et de libération. » Vous avez peut-être entendu dans la citation de Jaurès que j'ai lue à l'instant, cette métaphore qui revient des étoiles nouvelles. On pense évidemment au sonnet de Heredia, aux conquérants de Heredia qui sont évoqués par le poète, penchés à l'avant des blanches caravelles, qui regardaient monter en un ciel ignoré du fond de l'océan des étoiles nouvelles. Sans doute Jaurès pense-t-il à cette citation de Heredia, mais on le voit par la correspondance, il entend aussi Zola, il ne transforme pas, au fond, une conversation qu'ils auraient eue ensemble, car Zola écrivait à Alexandrine, je vous l'ai lu tout à l'heure, cette belle phrase, « Je vais en mon étoile », conversant avec Jaurès, il déclare « Je sens se lever des étoiles nouvelles ». Vous voyez que c'est à la fois la même chose et peut-être une modification importante. La perspective s'est élargie. Le romancier n'avance plus en penseur solitaire. Sa marche vers la vérité s'accompagne, accompagne celle de l'humanité.
Voilà les deux grands moments sur lesquels je voulais insister, le moment de l'engagement en novembre 1997, le moment de l'exil, la rencontre avec Jaurès, la discussion sur l'avenir du socialisme, et je dirais encore quelques mots de la dernière partie de cette correspondance concernant l'affaire Dreyfus, de ce dernier moment Dreyfusard. Il est tout à fait intéressant pour les historiens de l'affaire. Je crois qu'il offrira des documents qui leur permettront de réfléchir à la composition du parti Dreyfusard, au début malheureusement de certaines divisions qui commencent à se faire jour. En tout cas, ce qu'il est intéressant de voir à l'automne de l'année 99, donc nous sommes juste après le procès de Rennes, c'est combien Zola, qui revient en France, est un écrivain pour qui tout est transformé. Ses anciens amis, beaucoup de ses anciens amis, eh bien, c'est fini. Il ne les verra plus avec Bourget, dont il était proche, avec quelqu'un qui s'appelle Marius Roux, qui était un de ses amis d'enfance. Tous les liens sont rompus parce qu'ils sont passés dans l'autre camp. Avec même ses anciens disciples des soirées de Médan, tout est fini désormais, car Séard, Henri Séard, Léon Hennic et Huysmans ont choisi le camp anti-Dreyfusard. Seul, parmi les anciens des soirées de Médan, Paul Alexis, le fidèle, est resté du côté de Zola. Donc, tout se recompose autour de lui. Les amitiés sont nouvelles. Il y a les anciens amis qui sont partis, les nouveaux qui arrivent, qui sont là, proches de lui, son avocat, Fernand Laborie, Joseph Reynac, dont il est très proche, dont il parle beaucoup, Alexandrine, et puis il y a Picard aussi, Picard qu'il aime beaucoup et qu'il évoque très très souvent. Alors, juste un mot peut-être, je crois qu'il me reste 5 minutes, oui. Voilà, il me reste 5 minutes, juste un mot pour évoquer ce que cette correspondance nous donne à voir, les dernières rencontres, au fond. Ce qu'il est étonnant de percevoir, c'est que en novembre, octobre 1899, Zola est toujours le romancier de l'affaire. Il est toujours là. C'est-à-dire qu'on vient le voir, cette scène archétypale que j'évoquais à l'instant, de ceux qui frappent à sa porte et qui essaient de lui apporter des informations, cette scène se reproduit. Elle se reproduit alors avec des personnages secondaires, des escrocs viennent essayer de lui apporter des informations. Mais il y a quelqu'un que j'évoquerai en un mot, qui est Pauline Monnier. Pauline Monnier, c'est l'amie de Picard, c'est cette femme qui a divorcé, qui est sans doute la maîtresse du colonel Picard, et elle vient le voir, elle discute avec lui, et elle essaie de lui apporter des informations sur l'affaire Dreyfus. Il y a aussi une femme de lettres qui s'appelle Frédéric Grézac, qui est une amie de Reynac, et avec qui il discute longuement de la révision possible, de l'attitude de la Cour de cassation. Voilà donc la dernière scène hein, de cette correspondance Dreyfusarde, ce romancier toujours là, à sa table de travail, entendant la parole qui s'approche de lui, essayant de démêler le vrai et le faux. Car vous vous rendez compte qu'à ce moment-là, bien que la grâce ait été accordée à Dreyfus, rien n'est joué. Tout est encore à comprendre. Cette affaire, elle reste pour une grande partie dans l'ombre. Il faut encore, évidemment, la comprendre. Aller peut-être, c'est ce que espère Zola, vers la réhabilitation de Dreyfus. En tout cas, au moins, comprendre le récit de cette affaire Dreyfus. Et lui, il est, je ne sais pas encore, enfin, il est toujours ce romancier qui, un jour, espère écrire le roman de l'affaire Dreyfus. Il le fera. Il ne le sait pas encore à ce moment-là. Il le fera juste avant de mourir. Ce sera vérité son dernier roman. Voilà donc ce que nous livrent ces lettres de Zola à sa femme Alexandrine. Les grands moments de Dreyfusard de cette correspondance sont ceux de l'engagement, de l'exil, du retour d'exil, de grandes scènes théâtrales, peut-être un peu trop saisies rapidement, avec des ellipses qui souvent nous laissent frustrés, mais qui montrent en face de Zola, des messagers porteurs d'une vérité partielle. Il y a Le Blois, il y a Bernard Lazare. En 1897, il y aura plus tard ces figures féminines que j'évoque, Pauline Monnier ou bien Frédéric de Grézac. Voilà, au fond, comment cette vérité, eh bien, Zola va essayer d'aller vers elle. Hein. Je pense à l'exposition de Yaël, à ce tableau que vous avez peut-être vu dans l'exposition hier, qui est le tableau d'Édouard Debat-Ponsan, qui est un tableau que Zola possédait, car on le lui a offert et il l'avait installé
dans le vestibule de sa maison. C'est un tableau qui représente une jeune femme sortant d'un puits, la vérité sortant du puits. Deux personnages essaient de l'empêcher de sortir du puits, un soudard masqué et un personnage qui représente l'erreur. Eh bien, on peut dire que, d'une certaine façon, ces figures féminines qui frappent à la porte de Zola semblent vouloir incarner cette idée de la vérité qui sort du puits. Voilà, cette vérité, en tout cas, Zola en a conscience, il le dit à Alexandrine, c'est une quête encore incertaine, c'est une démarche qui sera longue. Zola a compris au moins cette leçon de cette affaire Dreyfus dans laquelle il a été entièrement plongé, c'est que la vérité n'arrive pas rapidement. Et dans le roman qu'il écrira en 1901, qui sera son grand roman de la transposition de l'affaire Dreyfus, eh bien il imposera à ses personnages un demi-siècle de lutte, de conquête, avant que la vérité véritablement se fasse jour et que le Dreyfus, qui est le Dreyfus de son roman, il s'appelle Simon, soit réhabilité.